そうだよ、ね、ああLe seul autorisé officiellement à faire des photos grâce à son brassard, c'est Philippe. Les autres doivent le faire discrètement. Il a été primé quand tu vois le truc comme ça. Celui-là. Il est magnifique. Le Suisse est très 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 sympa. Je n'ai fait avec ma caméra que survoler l'exposition. Si vous voulez plus de détails sur les arbres, il faut d'avoir Philippe. Régine, c'est qui que tu ne vois pas? Les gens du groupe ou les bonsaïs? Beaucoup de marchands, pour notre plus grand bonheur. Pour Claudie, toutes les occasions sont bonnes pour acheter du bambou. Les routards du bonsaï, eux sont là depuis 3 semaines. Que des belles. Le brassard, il est mis à l'envers. Le shogun a parlé. Il est vrai que le brassard était à l'envers, mais personne n'a osé nous le faire remarquer. Il est plus de 13h et c'est à regret que nous quittons le Tekanten. Nous arriverons même à l'exposition une demi-heure avant l'heure d'ouverture. Mais grâce à notre guide, les organisateurs nous laisseront rentrer une demi-heure avant, ce qui nous a permis de faire de belles photos. L'exposition ne comporte que des show-in et des mamées. C'est-à-dire de tout petits, voire très petits, bonsaïs. Elle va se remettre à faire. Oh.
Au fond de la salle, quelques professionnels vendent des pièces exceptionnelles. Mais bien sûr, nous n'achèterons rien. Tiens, un Juniperus hippocampus. Devant ces petites merveilles, chacun a une façon bien particulière de se recueillir. Une exposition qui a impressionné tout le monde, amateur ou non de bonsaï. Par rapport à d'autres expositions de bonsaï, le public était quand même assez jeune, voire même très jeune. Au revoir. Ambiance métro à Tokyo, pour nous rendre avec le Shinkansen à Kyoto et faire quelques achats de bonsaï en pépinière. À notre première pépinière. Une jolie maison. Atelier de rempotage. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Combien il a dit cela? 3100. Une des plus belles pépinières d'azalées du Japon.